Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et comme je vous l'avais dit début 2024, on va s'attaquer à tous les guides pour bien débuter sur cette année. Les guides pour bien débuter, ils ont très bien marché en 2022 mais ils sont un peu obsolètes maintenant. Ça fait quand même plus de 15 mois que je les ai faits, donc autant se réattaquer et faire une nouvelle année 2024 en commençant sur les chapeaux de roue avec les guides pour bien débuter sur tous les personnages d'Overwatch 2. Et moi, le personnage sur lequel je peux me rattacher dans tous les jeux PVP auxquels je joue à l'heure actuelle, c'est Kiriko. Kiriko, c'est mon personnage ancre. C'est quoi un personnage ancre? C'est un personnage qui fait que vous prenez du plaisir, même si c'est la pire game, vous prenez une branlée, mais vraiment, vos alliés, c'est des guignols. Et bah avec Kiriko je m'amuserai que toujours autant. Parce qu'il y a vraiment le côté je peux essayer de prendre mes kills tout seul, je peux m'amuser etc. Ça dépend des jeux, ça dépend des joueurs. Mais en général essayez de vous trouver votre personnage ancre, le personnage sur lequel vous pouvez toujours revenir. Et vous serez, vous savez que vous prendrez du plaisir. En tout cas moi je vous conseille d'essayer d'en trouver un dans Overwatch 2. Moi c'est Kiriko, mais Kiriko c'est carrément mon personnage tous jeux confondus, hein. Smite, Paladin, tous les jeux auxquels je joue, League of Legends, Kiriko, je prends toujours du kiff. Sur LoL ça va être Ahri par exemple, Kiriko largement dans Overwatch. C'est le personnage que j'ai aussi également le plus joué. Donc c'est marrant parce que j'ai acheté le jeu quand même en 2016. Et Kiriko est le personnage que j'ai joué le plus alors que elle est sortie en 2022. Personnage extrêmement cool et très intéressant. Les gens me demandent souvent, Iker, comment tu fais pour faire autant de vidéos, etc. Bah, j'ai un petit post-it avec écrit dessus, présentation de Kiriko, explication du kit de sort, quand jouer une Kiriko et avec qui, comment bien la jouer, comment bien s'entraîner. Et conclusion, voilà le principe de cette vidéo. Donc Kiriko, c'est très clairement un incroyable support ou un incroyable main healer. Alors je vais devoir donner la définition de main healer et support, car c'est très important. Le support et le main healer se complètent parfaitement. Il peut exister des games où les deux joueurs vont jouer main healer, et parfois les deux joueurs vont jouer support. Moi le conseil que je vous donne c'est d'essayer de toujours compléter votre coéquipier. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui a tendance à jouer main healer, et bah jouez support. Et si vous avez tendance à voir que votre allié joue support, jouez un main healer. Alors c'est quoi main healer et support? C'est plutôt un état d'esprit et une façon de jouer qu'un pick en particulier. Même si certains supports sont meilleurs en support et certains supports sont meilleurs en main healer. Main healer, ça veut dire que main, ça veut dire principal, healer, ça veut dire soigneur, principal, soigneur. C'est la personne qui va, dès qu'il y a une barre de vie qui tombe, essayer de la soigner et essayer de la remonter le plus rapidement possible. Il va dédicacer sa game à quasiment faire que ça. Je dis bien quasiment puisque vous n'êtes pas obligé de le faire en totalité. Vous allez le faire 90% du temps, 85% du temps, 95% du temps. Vous allez soigner, soigner, soigner. Généralement votre tank, mais il faut aussi soigner les autres. Bien sûr, c'est le boulot du main healer. Il passe sa vie à soigner. Donc les main healers dans Overwatch, c'est Ana, Baptiste, Kiriko, Vital, Moira. Bien évidemment, tout le monde peut être joué en main healer. Un Lucio qui passe son temps en forme bubule de soins. S'il n'y a pas trop de burst et qu'il y a juste un tout petit peu de dégâts de temps en temps, il va quand même passer sa vie à soigner. Mais certains rôles sont meilleurs que d'autres. Le rôle de support, quant à lui, c'est plus d'aider les coéquipiers à faire des kills, de faire les kills soi-même, etc., etc. Alors la question que vous vous posez, c'est est-ce que Kiriko est un main healer ou un support? Eh bien, on est sur un personnage génial puisqu'elle peut faire les deux. Mais attention, il faut faire un choix. Si vous êtes dans une partie avec un main healer, vous la jouez support. Si vous êtes avec un support, vous la jouez main healer, tout simplement. Alors, présentation du kit de sort de Kiriko. Tout simplement, c'est Kunai. Les Kunai de Kiriko, c'est un projectile qui a du travel time qu'il va falloir mémoriser. Forcément, plus on est proche d'une cible, plus le Kunai, on a moins besoin de le pré-shot. Car plus il est loin, plus le Kunai va traverser une distance longue avant de toucher sa cible. Donc forcément, Kiriko est très forte en duel à 5, 10, 15 mètres. Elle est vraiment très forte dans ce genre de situation. Et surtout, la chose qu'il faut retenir avec Kiriko, c'est qu'il faut avoir un bon crosshair placement. C'est pas vraiment de la visée comme un Cassidy, un soldat 76, une hache, une Sombra. C'est vraiment la capacité à être capable de mettre son curseur au niveau de la tête de la cible. Car il n'y a pas de bullet drop. Le bullet drop ou le projectile drop, c'est quand le projectile descend. Là, très clairement, si la map faisait 1 milliard de kilomètres, le Kunai resterait toujours à la même hauteur si je l'ai lancé parallèle au sol. Si je lance parallèle au sol, il restera parallèle au sol même sur 1 million de kilomètres.
ce qui est évidemment pas possible physiquement. Ça s'appelle un truc qui a pas de bullet drop, quoi, tout simplement. Un projectile speed qui va tout le temps au même truc. Donc le projectile, vous devez le mémoriser, car si la tracer est là ou si la tracer est légèrement plus loin, et ben en fait ça va pas changer la position de sa tête. Donc c'est très important de mémoriser ce genre de choses, et donc vous devez tout le temps avoir le crosshair placement au niveau de la tête. Mais pourquoi? Car Kiriko fait 45 dans le corps et x2,5 dans la tête. Donc 45 dans le corps x 2,5, c'est pas facile mathématiquement, mais ça fait 112,5. Arrondi au supérieur, 113. Donc si je mets deux kunai dans la tête de ce truc-là, il est mort. Si je mets deux kunai dans la tête de Tracer, elle est morte. Bon là, j'en ai mis qu'un, puisqu'elle a 150 PV. Un coup de poing, ça suffit pas. Mais si vous mettez un kunai dans la tête, un kunai dans le corps, elle est morte. Vous voyez la capacité à burst de Kiriko qui est assez monstrueuse. Et vraiment, c'est une excellente dueliste pour ça. Vraiment, sa capacité à mettre le kunai dans la tête, c'est vraiment la force de Kiriko. Il faut vraiment que vous soyez capable d'augmenter votre crit. Mais ça, on verra ça dans la partie entraînement. Passons directement au clic droit de Kiriko, qui sont les Ofuda. Les Ofuda, c'est des petits parchemins qui volent et qui soignent les alliés. Il y a deux types d'Ofuda. Les Ofuda bleus qui vont soigner la cible. Si elle a besoin de points de vie et qu'elle rentre dans la zone, elle se fera soigner à la même valeur que si ce sont les Ofuda jaunes. Les Ofuda jaunes sont ciblés à une cible et même si elle se déplace un petit peu, elle dash, etc., les Ofuda vont suivre cette personne et la soigner. Alors que les Ofuda bleus, il faut rentrer dans la zone pour les soigner. Donc ça, notez que c'est assez important, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les Ofuda bleus ne soignent pas, que c'est que les Ofuda jaunes. Non, les Ofuda bleus soignent, c'est juste qu'ils ne sont pas ciblés. Il faut que la personne passe dedans. C'est pour ça que Kiriko est une très bonne soigneuse. Alors on peut faire une particularité dans les options pour stopper les Ofuda. Vous voyez que là, regardez, il m'en reste un, parce que sinon, vous allez tous les consommer automatiquement. Bon, ça peut être intéressant de cancel un peu les Ofuda, si vous avez très peu de soins à faire, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément faire in-game. C'est pas obligatoire. La grande particularité de Kiriko et d'Overwatch, c'est que souvent, les bons game designers d'Overwatch ont réussi à créer des mécaniques assez intéressantes. C'est-à-dire que, en gros, si vous faites Ofuda Kunai, Ofuda Kunai, Ofuda Kunai, Ofuda, vous ne perdez aucun laps de temps. C'est-à-dire que c'est très important de comprendre qu'il faut essayer de faire Ofuda Kunai, Ofuda Kunai, Ofuda Kunai, parce que vous ne perdez pas de temps. Il y a des jeux où c'est mal fait et malheureusement les personnages perdent un petit peu de temps à vouloir essayer de DPS. Mais là on perd pas de temps, le cycle est exactement le même que je fasse Ofuda. Car vous voyez qu'entre chaque Ofuda il y a quand même un petit délai qui fait que j'ai largement le temps de lancer un Kunai. Donc c'est très important d'essayer de faire ça dans la majorité des cas si vous pouvez quand vous êtes en main healer, parce que ça vous permettra, vous en foutez le kunai, vous l'envoyez dans le tank, mais si vous mettez dans le tank à chaque fois que vous lancez un truc, vous allez finir par faire beaucoup de dégâts au tank. Donc ça peut être intéressant de ne jamais oublier de le faire. Alors il y en a qui font bien évidemment deux shots, voilà, comme avec Baptiste, qui font deux shots et ensuite ils lancent les Ofuda. Pourquoi deux shots? C'est parce que deux shots, si vous les mettez bien, il y a un kill, hein. Enfin sur un perso fragile, mais non, pas sur un tank. Donc voilà un petit peu le cycle que vous aurez avec Kiriko. Maintenant, on va parler de sa Suzu. La Suzu est une mécanique complètement broken qui a un CD de 15 secondes au moment où on l'active, bien évidemment, et qui va rendre immortel les gens pendant 0,65 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à ce moment-là, il y a un ulti qui était censé les burst, peut-être faire 300 de dégâts sur un perso à 200 HP, si vous mettez le Fuda, bam, on le voit, pendant qu'ils sont blancs là, ils sont immortels. Donc c'est extrêmement efficace une Suzu et ça retire la plupart des contrôles du jeu. Alors il y a certains contrôles que vous ne pouvez pas retirer, mais par exemple, et certains effets négatifs. Par exemple, s'ils sont anti-heal, vous mettez une Suzu dessus, l'anti-heal va être enlevé. Donc l'anti-heal de Junker Queen avec son ulti ou l'anti-heal de la grenade d'Anna. Vous avez également la grenade de Cassidy, les sticky de Echo qui peuvent être tirés, etc., etc. Bref, quasiment tous les effets négatifs. Vous pouvez même Suzu une orbe de Zenyatta. Si vous avez envie de retirer l'orbe sur vous, vous faites ça et sur un allié, vous n'aurez plus l'orbe. Il y a aussi des effets que vous ne pouvez pas cleanse, que vous pouvez cleanse que si vous l'appliquez avant.
Ça, c'est quoi? C'est le dash de Reinhardt. Le dash de Reinhardt, Reinhardt vous arrive dessus. S'il a empalé quelqu'un et qu'il se dirige vers le mur, si vous mettez la Suzu, et qu'il est déjà empalé, ça ne le libérera pas de l'emprise de Reinhardt. Et si, par contre, si vous mettez la Suzu au moment où il va taper dans le mur, là, par contre, l'immortalité marchera et il ne prendra pas les dégâts. Par contre, si vous mettez une Suzu sur un Reinhardt qui va dasher sur vous, donc Reinhardt est en train de dasher, j'ai déjà fait une game, c'est assez rigolo, le Reinhardt arrive vers vous, vous mettez la Suzu au sol, il vous passe à travers. Alors c'est très rigolo s'il y a du vide derrière vous et qu'il va dans le vide et qu'il crève comme une merde parce qu'il est surpris. Il n'y a pas que ça qui fonctionne comme ça, il y a également le trap de Junkrat. Donc imaginons, il y a un trap de Junkrat, tu te prends le trap de Junkrat, tu Suzu, ça ne fait rien. Mais si tu fais Suzu et tu passes dans le trap n'a pas d'effet. Donc voilà. Et c'est la même chose pour le grab de Rodog. Rodog, s'il vous grab et que vous mettez la Suzu sur la personne une fois qu'elle est grab, ça va pas enlever le grab. Par contre, si vous mettez la Suzu sur le Rodog qui a ramené votre allié et qu'au moment où il met son clic gauche pour essayer de le burst, vous avez la Suzu, bah bien évidemment, il prend pas les dégâts. Mais vous ne pouvez pas arrêter le grab une fois qu'il est pris. Par contre, imaginons, Rodog veut me grab et je fais ça. Et au moment où je suis mortel, au moment où je suis blanc, il me hook, le hook me passera à travers. Donc voilà, vous avez ces petites particularités. Et enfin, vous avez la dernière particularité, ce sont les sorts que vous ne pouvez pas Suzu. Ça sert à rien, vous ne pourrez pas les retirer. Ça va être l'ulti de Sigma. Vous ne pouvez pas Suzu l'effet et sortir de l'effet. Vous ne pouvez pas Suzu l'effet de Zarya également. Vous allez juste rendre les alliés immortels pendant un court instant, mais vous n'allez pas les libérer de leur chaîne. Et pareil pour Moga, vous allez les rendre immortels, mais vous n'allez pas les faire la chaîne restera. Donc voilà un petit peu les petites particularités de la Suzu. La Suzu, maintenant, instant pratique sur la Suzu. Je sais pas si ça va dans cette partie-là, mais au moins je préfère l'avoir dit plutôt que de l'avoir pas dit. La Suzu, ça se garde. Il faut être capable de savoir quels sont les sorts qui vont être dérangeants dans la partie. C'est-à-dire, vous appuyez sur Tab et vous faites « Oh, il y a une Zarya, donc je vais faire attention parce que je ne peux pas Suzu l'ulti Zarya, donc je vais essayer de le garder pour les rendre immortels. Oh, il y a un Reinhardt qui va bientôt marteau pilon, je vais donc garder ma Suzu pour pouvoir retirer l'effet des alliés qui se sont fait ulti par Reinhardt, etc. etc. » Vous allez devoir utiliser la Suzu par moment. Putain, c'est le réflexe de main healer, je les soigne. Vous allez devoir de temps en temps utiliser la Suzu pour le heal qu'elle prodigue, puisque ça n'a pas encore été nerfé, mais ça va arriver. La Suzu heal 80 points de vie. 80 points de vie. Voilà, 80 points de vie, elle soigne la Suzu. Et si vous retirez un effet négatif, donc vous retirez par exemple l'orbe de Zenyatta, vous retirez un anti-heal, un anti-heal de Ana, etc. Vous healez à 110 points de vie. Ce qui est vertigineux, puisque si vous faites ça plus ça, le mec, si vous lui retirez un effet, vous l'avez heal à plus de 200 HP. 240 exactement, puisque les Ofuda, il a 130 en 1,7 secondes. Ça fait beaucoup de heal. Vraiment, Kiriko, c'est pour ça que c'est devenu un très très bon main healer. C'est que dans un des derniers patchs qu'il y a eu sur elle, ils ont amélioré la vitesse des Ofuda. Et ils ont rendu le fait que la Suzu, il a 80 points de vie de base. Avant, c'était 50 au début quand elle est sortie, puis c'est passé à 40. Donc, c'était devenu un heal de merde. Hein. C'est-à-dire qu'il pour il est 40 quelqu'un, c'était pas ouf. Maintenant, il a 80, c'est extrêmement efficace. Alors, bien sûr, la Suzu, comme je vous l'ai dit, il faut l'utiliser intelligemment dans les moments importants. C'est bien sûr très important de le garder parfois pour soi, pour se clean, c'est pour pouvoir repartir au combat plus rapidement. Puisque si vous tombez à 120 points de vie, vous pouvez être par exemple être one shot par un shot de Hanzo dans le corps, puisqu'il fait 125. Non, ça a été nerfé, il fait 120 maintenant, je crois. Maintenant, si vous avez 119 HP, vous balancez une Suzu, vous passez au-dessus de ce cap, et là, vous savez que si Hanzo vous met un tir dans le corps, vous n'êtes pas mort, mais s'il met dans la tête, il vous tuera quand même. Donc voilà pour la Suzu. Maintenant, on va passer à son TP. Le TP de Kiriko est la mécanique la plus forte. Enfin, pour beaucoup, c'est la Suzu, mais c'est la chose la plus forte qui permet à Kiriko d'être un support flanqueur. C'est-à-dire que Kiriko peut être très forte à suivre une Sombra ou une Tracer dans son équipe. Elle peut se téléporter et aller la soigner. Parce qu'en fait, elle a seulement 7 secondes de CD sur ce pas.
et ce sort est extrêmement fort. Alors déjà, première chose à retenir sur ce sort, il vous rend immune aux dégâts pendant 0,25 secondes. Alors ça a été réduit, c'est plus difficile de le caler. Ensuite, ça retire la plupart des effets négatifs. C'est-à-dire que si vous avez un anti-heal et que vous faites ça, vous l'enlevez. Si vous avez des grenades sur vous, la grenade reste au sol. Reste au sol sur votre position d'avant, etc. etc. Vous pouvez cleanse beaucoup d'effets négatifs. La brûlure de Moga, la brûlure de Hache, etc., etc. Le poison de Widow avec sa mine, etc. Donc vous pouvez cleanse beaucoup d'effets. La particularité de ce sort, c'est qu'il passe à travers les murs et qui rend immortel. Donc c'est un sort de repositionnement. C'est bien de l'utiliser dans les moments les plus importants, souvent en défensif, pour pouvoir se barrer. Et donc vous aurez compris pourquoi Kiriko est un bon support. C'est un bon main healer, on l'a expliqué tout à l'heure, car c'est sa capacité de soigner les gens avec ses Ofuda et ses Suzu et protéger ses alliés. Mais c'est un très très bon support flanqueur parce que si elle s'éloigne, si elle est tout le temps à côté de ses ennemis, bon, le TP est un peu ridicule, il permet de te téléporter d'un mètre, mais si t'es loin de tes alliés, enfin du bloc qui va dire main healer, tank et DPS derrière, par exemple, je sais pas moi, un Reinhardt, une Ana et un Cassidy, et bah vous allez flanquer avec votre Sombra ou votre Tracer, et ouais, vous faites comme ça, et puis dès qu'il y a un moment, dès que ça va pas, hop, vous retéléportez près de votre Ana et vous pouvez l'aider. Donc c'est extrêmement pratique, c'est un des sorts les plus pétés du jeu. Et aussi une des mécaniques les plus pétées qui fait que Kiriko peut très bien semi-flanquer avec son flanqueur ou avec un buldo ou ce genre de choses, c'est qu'elle a le heal passif de tous les supports du jeu, qui fait qu'il faut jamais le rappeler que dans Overwatch, quand vous êtes hors combat pendant un certain laps de temps, vous êtes soigné. Voilà, vous êtes soigné quand vous prenez des dégâts. Vous voyez, par exemple là, je continue de subir des dégâts, mon passif ne s'applique pas, et là il s'applique de nouveau. Et quand je me fais soigner, par contre, j'ai le droit de taper. Hein. Voilà, c'est juste que je n'ai pas subi de dégâts. Donc là, j'ai mes points de vie qui remontent tranquillement. Et ça, c'est une grande force quand même à Kiriko, qui permet à Kiriko de vraiment faire un peu ce qu'elle veut dans la partie. Entre main healer, entre support, entre flanking, entre suivre son flanqueur, entre suivre son tank agressif style Doom, style Winston, style Hammond, Bulldozer. C'est très 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 fort Kiriko. Parce qu'elle a cette super mobilité toutes les 7 secondes de pouvoir TP. Les deux sorts de mobilité pour moi qui sont quasiment les plus forts du jeu chez les supports, c'est très clairement le pas de velours, je crois que ça s'appelle en français, et le fade de Moira. C'est vraiment les deux sorts, l'un à 6 secondes de CD, l'autre à 7 secondes de CD, c'est des sorts qui se ressemblent énormément, qui permettent de se repositionner. Une fois qu'on a vu le pas de velours et c'est ça, c'est pas de velours, non, pas Vélos, Suzu de protection, on termine avec le Kitsune Rush. Le Kitsune Rush est un ulti qui est une énorme zone, donc faut essayer de mettre le plus de personnes dedans, surtout vous, parce que c'est très très fort. Le Kitsune Rush est votre renard qui avance et qui va tout simplement vous positionner dans une... dans un buff de zone tant que vous restez dans la zone. Le sort dure 10,5 secondes et il a une particularité, il améliore votre vitesse d'attaque de 50%, donc ça veut dire que vous attaquez plus vite. Vous avez également un taux de rechargement plus rapide, 50% également. Vous avez une vitesse de déplacement accrue 30% et vous avez le CD de vos sorts qui est amélioré également. Donc en gros, on est vraiment sur un personnage qui va pouvoir spammer littéralement les Suzu et spammer les sorts, et ça fonctionne également pour les alliés. Le défaut de l'ulti de Kiriko, c'est qu'il est, il se bloque s'il y a un mur. Donc là, si par exemple imaginons je lançais l'ulti, ça ferait juste un ulti de 1 mètre. Pour ça, vous avez le mur de Mei qui est très fort contre le Kitsune Rush, la Cryostase. Si elle Cryostase devant vous et que vous balancez l'ulti, vous allez tout simplement vous faire body block l'ulti. Ah, donc ça donne ça un peu, hein, si vous avez un mur de Mei face à vous, ça fait un Kitsune Rush de... Ah là par contre j'ai le bonus, hein, mais là je l'ai plus. Là je l'ai encore. Là je l'ai plus. Voilà. Donc faut faire attention à ça quand on balance un Kitsune Rush. Par contre si on le balance sur une hauteur, le Kitsune va tout simplement descendre de la hauteur et va propager l'ulti en bas, les Tori en bas. Et vous allez pouvoir ainsi vous en profiter. Donc ça, faut pas en avoir peur. Vous pouvez le balancer devant du vide. Par contre, si c'est du vide, c'est-à-dire que, je sais pas moi,
vous allez avoir envie de le balancer, par exemple, au-delà là-bas, vous dites, ah, bah, là, ça va, le Kitsune, il va marcher un petit peu dans le vide et il va aller jusqu'à là-bas. Alors non, ça marche pas. Hein. Il va s'arrêter au vide. Donc ça, faut faire attention à ça, pour ne pas balancer des outils de merde. J'ai quasiment failli oublier le passif de Kiriko, qui est bien évidemment la marque de fabrique de toutes les personnes qui ont appris à se battre avec la mère de Kiriko. C'est-à-dire Genji, Hanzo et Kiriko ont une partie du même passif, c'est-à-dire le fait de pouvoir monter sur les murs. C'est extrêmement important, bien sûr, de pouvoir monter sur les murs. Tout simplement parce que ça vous permet de prendre les hauteurs. Ne négligez jamais, bien sûr, de pouvoir prendre les hauteurs, de pouvoir jouer avec les gens qui prennent les hauteurs, parce que c'est toujours surprenant d'avoir des gens qui attaquent par le haut. Donc prendre les hauteurs, c'est bien, mais n'oubliez pas aussi de jouer avec votre équipe. Voilà. Mais n'oubliez pas, c'est important de savoir, là par exemple, comment je fais pour monter. Je monte avec le mur ici. Vous aurez pas mal de tests que vous pourrez faire. Bien évidemment, dans un duel, les top 500 Kiriko vont parfois se servir d'un mur juste pour pouvoir changer un peu leur trajectoire, se baisser, etc. Changer leur trajectoire en permanence pour être un petit peu intargetable. Donc ça peut être intéressant vraiment d'utiliser le mur, soit pour monter, mais aussi pour pouvoir duel. Vous pouvez complètement mystifier quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous suit, vous pointez sur le mur et vous redescendez et il va faire ah tiens, et ça surprend énormément les débutants de pas savoir où est Kiriko. Ils sont là en train de la chercher, en fait elle est montée sur une hauteur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'explication du kit de sort. C'était assez long et assez complexe. C'est difficile de ne pas oublier quelque chose parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Kiriko. Maintenant on va parler de quand jouer une Kiriko. Donc là, je vais vous donner des compositions. Bien évidemment, ça ne retracera pas toutes les possibilités. On joue une Kiriko. C'est pour moi, Kiriko est jouable avec quasiment n'importe quel personnage dans votre équipe. C'est-à-dire que Kiriko va passer à peu près tout le temps, partout. Elle peut être jouable avec des tanks à verticalité, à mobilité extrême, comme on a dit, Doomfist, Winston, Bulldozer. Elle peut être jouée avec un chopper, un moga, pour s'il y a une nana en face, pour retirer l'antihit sur ces personnages-là pour les aider. Vous pouvez très clairement la jouer avec une compo rush, avec une Orisa, un Reinhardt. Vous pouvez la jouer avec une compo POC, parce que Kiriko justement POC relativement bien avec ses kunai, avec un Sigma par exemple. Au niveau des DPS, pareil, la Kiriko peut jouer à peu près avec n'importe quoi. Je dirais juste le petit problème de Kiriko, c'est avec une Pharah ou avec une Echo, qui sont des personnages qui passent leur temps dans les airs. Et c'est vrai que là, on préférera peut-être une Ana. Mais sinon, à part ça, elle peut être jouée avec un Geji, elle peut être jouée avec un Hanzo, elle peut être jouée avec une Sojourn, elle peut être jouée avec une Ashe, Bastion, etc. Il n'y a pas vraiment de « oh non, là ça pue ». À part les personnages comme Pharah et Echo. Et encore, Echo, ça peut largement passer, mais c'est un peu Pharah qui est un peu chiant, qui préfère bien évidemment ça. Merci. Maintenant, on va passer au support. Avec quoi jouer une Kiriko? Eh bien, ça dépend, puisqu'on a dit que Kiriko, en introduction, pouvait être joué en main healer et en support. Il faut juste savoir que Kiriko, ça synergise très bien avec une Ana, ça synergise très bien avec un Baptiste. Mais si vous voulez jouer Kiriko avec un Lucio, c'est pas à Lucio d'être le main healer, c'est à lui d'être un support, c'est à vous d'être main healer. Si vous jouez avec une Moira, c'est à voir si c'est une Moira agressive ou si c'est une Moira qui passe son temps à soigner. Si elle passe son temps à soigner, jouez votre Kiriko en support, en un peu plus agressif. Un Vital, c'est généralement un healbot, donc jouez Kiriko en support. Avec un Zenyatta, vous êtes une Kiriko qui doit jouer main healer. Avec une Hilary, vous êtes une Kiriko qui doit jouer main healer, etc., etc. Avec une Ange, vous devez jouer normalement main healer, etc., etc. En gros, Kiriko passe dans à peu près tous les cas. Alors vous allez me dire, Ikert exagère, il y a sans doute des exceptions. Vous verrez que dans certaines vidéos, avec certains personnages, je dirais, là tu ne joues pas, voilà. Mais Kiriko, elle passe partout. C'est pour ça justement que c'est un personnage que, comme j'ai dit, qui est assez ancre pour moi. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, à moins qu'il y ait une Pharah, je peux jouer ma Kiriko à peu près quand je veux. Donc ça me plaît beaucoup. Comment bien jouer Kiriko? Alors comment bien jouer Kiriko? Une Kiriko, c'est quelqu'un qui va faire attention à ce que les adversaires ont encore dans leur manche au niveau des ultis. Donc il faut faire un petit peu d'ulti tracking. On fera une vidéo sur l'ulti tracking en 2024, c'est très important d'en parler. L'ulti tracking, c'est la capacité à regarder combien de dégâts a fait l'adversaire et combien il a fait de soins, donc à peu près à combien de pourcentage il a son ulti. Peut-être que vous ne le savez pas, combien de points de heal ou de dégâts il faut faire avec Kiriko pour charger son ulti. À l'instant où je fais la vidéo, 2300.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous voyez que quand il y a mon petit personnage, il récupère, bah Kiriko, elle récupère un petit peu. Elle récupère l'équivalent de 300 points par minute. Donc au bout d'une minute, Kiriko, si elle a fait 2000 de dégâts, elle a son ulti. Ou 2000 de heal. Moyennant une chose importante, les tanks. Quand on DPS un tank, mais je sais pas si c'est quand on le soigne aussi, mais je crois que c'est quand on le DPS seulement. Quand on DPS un tank, on charge les ultis 30% moins vite. Donc si vous faites 3000 de dégâts et vous avez joué depuis une minute y a de grand... et que vous avez tapé que un chopper, il y a des chances que vous ayez votre ulti parce que moyennant 30%, 30% de 3000, c'est environ 1000. Donc voilà, voilà. Vous aurez compris le petit schmilblick. Donc savoir faire de l'ulti tracking, c'est ultra important. Et savoir dans quelle situation on peut utiliser la Suzu et où alors il aurait mieux fait de la garder. Vous êtes face à un Junkrat, un chacal en français, et ça fait 3 minutes que vous jouez, il n'a pas encore ulti. Gardez votre ulti. Vous êtes face à un Genji qui joue depuis 2 minutes 30 et qui a fait déjà 5-6 kills, il va bientôt y avoir une blade. Faites attention, gardez votre Suzu, etc. etc. Pareil pour l'utilisation de votre TP. N'utilisez pas votre TP si vous savez qu'il y a des sorts qui vont vous demander l'utilisation de votre TP pour pouvoir survivre. C'est assez simple. Quand Kitsune rush, quand vous voulez, quand vous pensez que quand vous allez poser le Kitsune, le fight va être là et va durer. Et le fight, les gens peuvent pas trop désengager. C'est pas un ulti qui se claque quand on est tout seul, c'est un ulti qui peut se claquer en initiation de fight. Donc vous voyez que c'est un team fight rangé en 5 contre 5, vous venez d'avoir l'ulti, je balance l'ulti, ça va bien se passer, je vais essayer de faire des kills, etc. Je peux soigner, etc. Ça va aider toute l'équipe et toute l'équipe est dedans. Ne claquez pas l'ulti quand vous êtes en 1v5, bien évidemment c'est assez logique, et ne le claquez pas quand vous pensez que le teamfight est déjà perdu d'avance. Ils ont claqué 3 ultis, tu réponds pas par un Kitsune Rush, tu réponds par une bonne Suzu, etc. Et si tu vois que ça passe pas, t'appuies pas sur l'ulti, tu le gardes pour le prochain fight. Voilà, voilà où. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Maintenant, comment bien s'entraîner? Comment bien s'entraîner avec Kiriko? Et ça, les petits potes à la compote, je veux que vous travailliez ce truc. Si vous ne travaillez pas ce truc-là, vous resterez qu'une Kiriko malheureusement médiocre. C'est le mode VAXTA. Il faut que votre taux de crit augmente énormément. Hier soir, on a fait le test par exemple et je tourne entre 50 et 70% de taux de crit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon kunai, 7 fois sur 10, quand je touche quelqu'un, il est dans la tête. Et donc ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous ne savez pas bien viser comme moi, parce que je suis pas le roi de la visée, et bah au moins quand vous touchez, c'est généralement une tête. Et ça, ce n'est pas de la visée, puisque comme on l'a dit, je peux rater énormément de kunai. Mais le but, c'est que quand le kunai touche, ça soit une tête. Il faut tout le temps que ça soit des têtes. Voilà. Ouais, pour le moment, on est à 100%. Là, on a raté. Voilà, encore raté. Bon, il est en train de sauter, donc pas facile. Et vous voyez, il faut tout le temps que ça soit au niveau de la tête. C'est très important, il faut que vous entraîniez. Je m'en fous que vous ratiez beaucoup d'auto. Il faut que votre taux de crosshair placement et de crit soit très élevé. C'est la base de Kiriko. Parce que mettre des coups dans le corps, malheureusement, ça fait pas mal. Ça fait 45 de dégâts. Vous imaginez le nombre de kunai qu'il faut mettre quand vous tirez dans le corps un perso qui a 200 HP? Bah, c'est plus de 4. Hein, puisque vous faites pas 50 dégâts. Il faut en lancer 5. 5 dans le corps pour tuer Sojourn. Sojourn, pardon. Alors que si je tire dans la tête, voilà, bah elle est morte. Voilà, elle disparaît. Elle a même pas le temps de jouer. Vous voyez à quel point il va falloir travailler sur ça. C'est hyper important de travailler votre crosshair placement. C'est en ça que Kiriko est fort. Des fois, vous avez vraiment cette frustration de dire « Mais Kiriko, c'est complètement pété. Comment c'est possible que je puisse crever aussi vite ?» Mais parce que bah, le joueur s'est entraîné sur ce fameux crosshair placement. Il faut que ça soit dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Alors, vous allez me dire « Oui, mais Iker, donc il y a des moments, il y a des escaliers, etc. Là, t'as pas 84%. » Bien sûr que non. Il faut que vous soyez au moins solide sur Kiriko en mode ras des pâquerettes. C'est-à-dire que vous êtes à la même hauteur que votre adversaire. Et là, il faut que vous soyez. Bien évidemment que je n'ai pas 84% quand on est dans un escalier et que le joueur fait ça. C'est-à-dire il diminue et il monte et il diminue dans son escalier comme ça. C'est infect de jouer Kiriko dans ce genre de situation. C'est pour ça que le pire ennemi pour moi de Kiriko, je sais que j'en avais discuté avec des top 500 et ils disaient, mais Iker, les très très bons joueurs de Kiriko, ils ont pas de mal contre Genji. Mais en fait, je trouve que Genji, à cause de ses...
de sa capacité à sauter en permanence avec son double saut est très très chiant à mettre des kunai dans la tête d'un Genji. Donc en gros, contre Genji, en fait, la technique, ça va être d'attendre qu'il retombe. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens qui sautent contre Kiriko, ils ont un peu tort. Parce que les très bons joueurs, vous voyez, le Hanzo, il saute tout le temps. Mais moi, je sais où elle est la tête d'Hanzo normalement. Je l'ai mémorisé à force de la jouer. Et donc, au moment où tu vas toucher le sol, bah, je vais viser ta tête et je vais te toucher. Donc, le saut n'est pas forcément une technique incroyable contre Kiriko. Faut sauter, s'accroupir, straffer. Le travail surtout de duel de Kiriko, parce que ça vous arrivera à beaucoup de duels, Kiriko, c'est de... jamais faire un strafing qui est identique. C'est-à-dire que souvent, je fais énormément de combats à mort en Gameviewer en ce moment et je tombe sur beaucoup de gens qui, à force, ils en auront le cul de se faire tuer par un Makiriko, donc ils prennent Kiriko. Et donc, en fait, souvent, l'erreur des gens, c'est de faire tout le temps le même geste comme ça. Alors déjà, vous avez des joueurs qui strafent comme ça. Alors ça ne sert à rien contre Kiriko, vous tirez au milieu. Et vous allez mettre la tête. Parce que la hitbox des kunai sont aussi grosses que la flèche d'Anzo, je crois. Et donc, c'est assez large. Non, il faut que vous fassiez un mouvement qui n'est jamais le même. En plus de vous accroupir, en plus de sauter de temps en temps. Et c'est là que vous allez voir les les meilleurs Kiriko jouer. C'est qu'elles ont une trajectoire qui est quasiment illisible. Mais en tout cas, sachez que avant que ça devienne ça, avant que ça devienne que vous croisiez des Cassidy qui jouent comme ça, des H qui jouent comme ça, des soldats 76 qui ont des lectures quasiment illisible, sachez que vous avez bien au moins 80% des joueurs qui sont autant lisibles que les bots que j'ai face à moi là. Et même là le bot il est plus fort que les joueurs en bronze hein. Là les joueurs en bronze ils se déplacent pas comme ça hein. Donc voilà, vous voyez moi je rate beaucoup de kunai, mais au moins quand le kunai il touche j'ai une tête. Bien évidemment il faudrait que je sois un petit peu plus sans doute un petit peu plus solide sur le shot. Mais voilà, il faudrait... mais ça se travaille quoi. Et puis je suis pas non plus joueur pro, et puis j'ai 38 balais, et puis je suis voilà. Donc la vieillesse aussi, ça aide pas. Mais voilà, mais vous voyez à quel point on a réussi à maintenir 60% d'accurate. Donc c'est pas mal. Tapez pas trop Genji parce que ça va vous baisser vos stats. Parce que Genji, c'est très difficile de mettre une tête. Voilà, faut essayer de mémoriser quand il double saut là où est sa tête. Voilà, comme là par exemple. Et faut prendre son temps. Faut attendre qu'il soit au sol. Hop, et on essaie de viser la tête. C'est pas facile, mais. Mais c'est du trail. Voilou comment bien s'entraîner avec Kiriko. Le mode VXTA, je rappelle, c'est toujours très très important de le train. C'est un très très bon endroit pour Kiriko. Ensuite, pour les personnages à verticalité avec Kiriko, ce qui est très important, c'est de regarder les ailes. Vous voyez que l'aile de Pharah, elle est dans la direction opposée dans laquelle on voit l'aile là derrière, les ailes. Elles sont dans la direction opposée dans la direction où elle va. Si vous regardez ça, vous savez de quel côté elle va partir. Donc vous savez déjà où vous devez lancer votre kunai. Ça vous aidera beaucoup. Pareil pour Echo. Echo, regarde, là les ailes un petit peu plus vers la gauche, un petit peu plus... Voilà, il faut essayer de comprendre quand Echo a tendance à aller vers la gauche. Voilà, on voit son aile ici, là on voit son aile ici. Là on voit son... On va... Là voilà, gauche... Gauche, droite, etc. Et comment elle penche? Parce que ça, forcément, vu que vous avez des kunai qui sont assez longs en voyage, il faut que vous préchotiez par rapport à l'endroit où vous voyez les ailes passer. Voilà, voilà. Bon bah voilà, voilà tout ce que je peux vous dire sur Kiriko. J'espère que c'était relativement complet, que vous avez appris des choses. Bien évidemment on peut pas passer tout en revue, on peut pas faire toutes les maps et vous dire toutes les positions dans lesquelles j'ai tendance à jouer ma Kiriko. Je pense que ça serait une vidéo qui serait assez vertigineuse. N'hésitez pas à vous référer, vous tapez coaching Kiriko Iker ou GamePro Iker Kiriko et vous tomberez sur des gameplays. J'en ai fait au moins une dizaine depuis 2022 de ces trucs là et ça vous permettra de beaucoup progresser sur le jeu. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, dites-moi si le format vous plaît, si le format vous dit « Ah putain, j'ai trop hâte qu'il fasse ce personnage-là, ce personnage-là, ce personnage-là. » Je compte bien évidemment tous les faire. Et bah, les OTP Kiriko, dites-moi si j'ai oublié quelque chose, mais c'est compliqué d'expliquer tout ce qu'on peut cleanse, tout ce qu'on peut machin, tout ce qu'on peut faire avec l'outil. Donc je pense que j'ai rien oublié. Je vérifie 2 secondes, ouais. Oui, si. 0,65 secondes, c'est le temps d'invulnérabilité de quelqu'un qui est sûr, qui est sous-zou. Donc il faut mémoriser ça, ça peut être utile dans certains cas pour sauver des copains. Voilà, des bisous, ciao et à demain.